n'a pas le mouton. Hein. J'ai mal villageois depuis à peu bon, près 2 ans. Il y a Terry contre Sora là. Ouais. Terry Sora alors. Deux bon. Ans. T'as commencé les tournois il y a 2 ans. Si je me trompe pas, ouais. Ok. Ouais. Alors, j'ai l'impression que j'ai dégraissé. Du coup, on va revoir ce match. Enfin, en tout cas, pour ma part, je sais pas si tu l'as vu. Moi, je crois pas. Je vais voir de comment. Comment se démerde Indy. Pour le coup, je vais pas te mentir que dans les deux cas, je serais très content de du vainqueur parce que j'adore les deux persos. On verra. Le plus pêché précédemment contre les deux Indy principalement, c'était l'Edgeguard qui se fait beaucoup Edgeguard contre Sora à cause de son foudre. Voilà, du coup, il est obligé de revenir par le bas. Par le bas, ouais. Et du coup, il pouvait nerf. Bon, c'est bon. En tout cas, 63%. En tout cas, Indy. Il a l'air de jouer un peu plus safe que tout à l'heure, en tout cas. De ouais. Jouer. Ouais. Ça, c'est triste. Je ne peux pas te dire s'il est plus safe. Je trouve, pour le moment. Bah, c'est très beau. Ça. Très bien le dodge des éclairs et en restant sur le dodge. Bon. Belle tentative de counter. Le counter, il est bizarre de son âge. Ouais, il agit un peu. Il est bizarre. Bizarre. Oh, le beau. Crack shoot, ça s'appelle. Ok, bah, le bon crack shoot. Crack shoot. Oh, le smash qui a été vif et qui a été extrêmement grave par. Ouais. Sora qui va tenter d'essayer de sortir, enfin, d'éloigner le terrain pour remonter le peignard. Ça, oh, yeah, ça tourne, non, ça tu pas, ça tue pas. C'est pas dans cette direction. Oh, les gars, c'est qui mettent le go. Par contre, le go qui va terminer Sora. Il a juste fait un. Power Dunk! Non, Power Jazer, pardon. Attention, il y a peut-être. Oh. Il a été sauvé ou alors il aurait. Je sais pas, mais en tout cas. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Animé, mais en tout cas, c'était. Les deux stocks sont fraîches. Il y a une tête faite ou pas Sora. Espérons qu'il fasse un ton de Toget Bolded. Comme ça, on le verra sur la chaîne de VG. Let's go! En tout cas, la face de Deza qui permet bien le sauf. Ouais, très. Par rapport à tout à l'heure, qui est vraiment simplement. Indy qui met quand même du haut. 90% contre le bac, ça va très vite. Moshi, il aime bien la shield, et ça paye le tour. Ça ne tue pas parce qu'il y a. Mais il y a beaucoup de fois où quand tu fais un job, enfin tout ça, pousse le power dunk, il part derrière, et ça arrive du coup sur Sora, je sais pas pourquoi. Peut-être à cause qu'il se fait un peu flottis. Il y a de ça. Parce que c'est vrai que Sora est très très flottis. Ouais. Le perso est très utile. Oh, le qui va toucher. Qui a été touché, qui a pas mis de reset à peu près. Et la bonne pression sur le shield qui a bien été gardé par. Et qui va spike sur le stage. 150%, ça peut aller très bien. Ouais. J'ai l'impression que ça fasse que je dis plus. C'est. En même temps, quand il y a un Terry. Ça va très vite. Ça va très vite. Terry, vraiment, ça te fait un combo en 50 tu perds. C'est 100%. Bientôt les 100% de la part de Terry mettent le bon goût. Le F-Smash qui était tenté, mais qui a été loupé. Ouais, le grave. Mais c'est le dodge de la part de l'air de Sora. Sora qui va sortir Terry. Très belle edgeguard, pas malheureusement, mais très belle edgeguard de la part de Sora qui était vraiment magnifique. Ouais. Sora qui peut se permettre vraiment d'aller très loin dans les glass zones s'il faut. Parce qu'il bat les reins, il peut remonter quand il veut, où il veut. Ouais. S'il veut. 75-90%, c'est bon. Ouais. Oh, il y a le smash qui est touché. Il a tenté d'aller chercher, mais ça va se faire punir. Power Dunk sur la plateforme. 53%. C'est beau. Oh, Power Dunk qui va pas tuer, mais qui va faire très très mal. Indy qui a un peu de temps. Très bien, on va dire. Franchement, il tente bien. Très très bien. Il essaie de venir tranquillement. C'est bien. Beau bait de la part de la part de juste sauter son pied. De cette bite. Plus bien joué de la part de. Cœur qui a du mal. Approcher le up smash qui va sortir son par le haut. Et qui a été. Voilà, haut. Mais dans tous les cas, il y a 60%, le go n'aurait pas été plus utile. Ouais. En tout cas, c'est pour le command grab, je dirais, du RMT. Mais en tout cas, ça. Indy qui a très bien joué. Ouais, donc 1-0 pour Indy. 1-0 pour Indy actuellement. Qui doit 5. Gagner 2-7 pour gagner. Pour gagner, exactement. Gagner la grande finale. Tout à fait.
Effectivement. Yo yo yo. Tu veux une carte? Vas-y, je vais caster. Avec, je peux casser avec des mots. Vas-y, mon bébé. Eh ben, je ne drop pas place bien, à Jazz. Eh bien, la bise, mon gars. C'est parti, on est là. On est là. Je regarde le chat vite fait. Oh, je vois du detox. Du back. Je vois tous les potes du Kairon. Tu connais les gens, moi je les connais pas. Ah, c'est des grands monsieur, quoi. Des grands monsieur? Ah non, je ne connais personne. Ce qui est très triste. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que je ne connaissais personne, c'est très triste. Ah bah si, mais c'est des grands messieurs. Ah, c'est des grands messieurs. Des grands messieurs au chat. Oh, pour le moment, quoi. Qui vient de chasse, qui vient de chasse pour Rakur, qui a déjà énormément suivi, que je m'abuse, si je m'abuse, qui a déjà énormément suivi contre Indiromir. Il est super bon, de 16. Je trouve qu'il joue trop bien. Genre, par exemple, sur avant AD, j'ai l'impression qu'il a trop bien, comment dire, c'est trop bien adapté, en fait, le nom des games. Bah, il était en train de se faire comme Max sur la dernière quand même. Oui. Mais là c'est pas trop le sujet. On est sur du de stock 0% pour Arthur. Qui a pas réussi à avoir le confirme là sur le glaçon. Je sais pas comment ça s'appelle. Le glacier. Le glacier, ouais. Oui. Mais un léger lead comme ça, contre Perry. Voilà, le Go qui parce que là on était à deux interactions de la mort. Oui, c'est ça, genre il faisait un petit et puis Arthur il pouvait me mourir. Quoi. Oh, il a pris un Uber vers la plateforme. Sora l'a déposé dessus, c'était tranquille. Un petit. Oui, je mange le combat. Il fait des sprints sur le shield. C'est un joueur de coffre. La pression sur le shield en tout cas elle est assez belle, on va pas se mentir. Et c'est vrai que là en plein jeu de combat. En fait, quand il nous a dit, parce qu'il faut savoir que quand KOF 15 est sorti, il était là à nous dire ouais, j'arrête Smash Bros, c'est fini. En fait, il joue KOF 15 dans Smash Bros. Mais et c'est peut-être comme ça qu'on doit jouer Thierry, je ne sais pas. Mais écoute, figure-toi que j'ai longtemps mis ça en question, mais il s'en sort de mieux en mieux. Donc, notamment, on en parlait de plus en plus, mais récemment, il a fait quelques sorties, ses premières sorties grosses en dans la Noraine, il a fait une dose de sel, il a fait un Carrebanger, le premier du nom. Et il a fait des placements juste corrects, ok, des 33e place, un truc comme ça et tout. Et c'est plutôt régionalement là, qui commence à faire des choses, je pense que ça prend le temps qu'il faut. Ouais. Déjà 60%, c'est une stop lead. Oui, là il est complètement en train de goupiter. Exactement. Parker, voilà. Là il joue tout seul en fait. Il joue pas. Attends, une petite stock enlevée. On va quand même doser. Mais oui, c'est vrai que l'adaptation par rapport à là où c'était vraiment serré en universel, le début de cette 1 grande finale, ouais. Qui, à l'instar de ce qui s'est passé avant, n'est pas du tout close quoi. Exactement, parce que bah, en fait, le plus gros problème qu'il y a eu en universel, c'est. Oh. Tu lui parles pas de conversation. Tu lui parles pas, tu lui parles pas de discuter, tu lui parles pas d'argument, il a raison. C'est comme ça que ça fonctionne. Terry Bogard, mesdames et messieurs. Il arrive, il casse la gueule. Il a mis le mandal. Il arrive, oh fou, qu'est-ce que tu veux. Il a mis une sèche. Mais il a même pas besoin de gros. Une croquette. Une tartine d'os. Mais c'est vrai qu'en universel, le plus gros problème, c'était Bogard, mais il se faisait beaucoup avoir dessus avec le foudre, etc. Parce qu'il revenait souvent par le bas. Ouais. Et là, il arrive beaucoup plus à mix-up, ce qui est un peu plus compliqué de la part de Parker de tuer, j'ai l'impression. Bah oui, bah forcément. J'ai reprendre mon téléphone. On a plus le chat. On a plus le chat. Ah, plus de chat. C'est pas grave. On fera ça. Je prends mon téléphone. En tout cas, première phase de juggle, on a 49% du côté infligé par Rafur sur une 10. C'est la première game où Rafur chope le lead oui. Dans cette là. Il commence à se réveiller. Hein. Il commence à avoir les infos, il commence à se dire oui bon. Hein, on apprend Terry ici, on s'adapte, on commence à comprendre les options. Par contre, c'était pas ça le problème de la foudre avec son set de vie, c'était possible. Je pense que c'était juste une question de timing. Bon là il va quand même pouvoir Rico, je pense. Il va falloir faire un timing. Ouh. Ouais, bien. L'appareil, je pense en réalité, il a dû voir qu'il tombait, il a dû se dire oh lui c'est sûr il va me boumer. Lui il se dit pareil, lui sur dans une cage de boum. Jab pour Rodon, je connais. Dans Tilt. Dans Tilt plus d'autres choses. Buster Wolf, je connais, mais alors Jab, Buster Wolf, enfin pas Buster Wolf. Je ne connais pas le nom. Oh, comment ça s'appelle Burn Knuckle. Je ne connaissais pas, j'avais encore jamais vu. Et. Oh, tu vois, genre c'est trop. Oh, bon. Oh là ça va faire peur là. Ça commence à faire mal. Ok, ok. La Smash qui est très bien puni. Mais il y a un momentum de fou. Il s'en sort très bien. Là c'est even. Là c'est clairement even. C'est ça. Oh. Il a bien oh, sur 105, cela dit, je suis pas persuadé. Hein. Là 122, c'est une touche du côté du Zora alors que peut-être. Oh, voilà. Le counter au ledge. C'est. Qui a fait mal.
vraiment game changer, hein. C'est vraiment, ça fait trop trop mal dans ce match-là, hein. C'est effrayant. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Mouton tout à l'heure, mais de toute façon qu'on ait qu'une carte comme ça, c'est assez fort. Ouais. Bah là c'est sans ouais. Saussure, hein. Là c'est ouais, top, hein. Vraiment, c'est le mec il a au pourcent, tu sais qu'il va mourir du compte, t'as aucune raison de ne pas le faire, quoi. C'est ça. Et puis y a pas trop de risque, on va se mentir. Bah non, en vrai... Ouais, après s'il le rate, je pense qu'il doit y avoir des confirmes un peu débiles, mais ça va pas tuer, là. Ah, oh, non, ça ne va pas tuer. Ça ne va pas tuer. La DI fut remarquable. Oui, il est très très la bien. La DI fut parisienne. Parisienne. Bah, elle était peut-être parisienne. Oh, voilà, oh. Tu le parles pas. Si le neutral était une conversation, il dit t'engueule. C'est exactement ça. Il te dispute. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que c'est le neutral? Mais non, mais... Il tape et il tue. Il est pas ok avec ce que t'es en train de lui dire. Il aime bien avoir raison, il balance tous les arguments. Ça peut être très je dis trop, mais ça peut être très vite, il a un go, il a 120%. Oh ben, la mec, deux touches, c'est fini. C'est ça. C'est... Puis à mardi prochain. Bah la prochaine fois, du mois. Ok, pas de soucis. Du coup, oh ouais. Oh ouh, c'était quoi cette conversion? Mais attends, je reconnais là. Mais attends, tiens. Tiens, je suis en train de tomber. Ça c'est une fâche de Hedgetrap qui gagne une game ça. Regarde, mais regarde, à tout moment. J'ose pas parler. Bah regarde. Je comprends. Je vois un dump tilt passer, j'ai peur. Un dump tilt. Oh non, non. Oh, oh my God. Le reset 3-0. Ok. C'est incroyable. Il arrive. Ah, il a pas le temps. Il a pas le temps. Ah, pas le temps. C'est ce qu'on dit, t'engueule. Genre, il a pas le temps, il t'engueule. Il a fait un BO5, et son BO5 il a duré deux fois moins longtemps que la plupart des BO3 qui se sont passés. C'est pas faux. C'est vraiment. Il a speedrun le bracket reset et 10%. Alors. Voilà. Helios Gaming. Ah. Le Amphinobi. Il est l'heure. Mais c'est pas son nom, Amphinobi. Mais il est du main. Il est du main. Si et okay. Il me semble qu'Amphinobi se sort mieux dans le match-up, mais qu'il voulait stick sur son Sora. Ok, d'accord. Je remets le salaire pour avoir le chat. C'est vraiment. Comme le dit Léa. C'est vrai que. Après, c'est. Aujourd'hui, ouais. Il y en a fait n'importe quoi. C'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on a envie de DIY alors qu'on ne peut pas. Oui. Alors que le poids d'un. En vrai, c'est le plus improbable de l'histoire de l'ancien. Mais en vrai, là, c'est complètement jouable. Ça a l'air, parce qu'il est monumental, il me dit. Ouais. Il fait mouvement. Ok. Oh, ça y est, ça commence à apprendre les SDI. Et oui, parce que ça se SDI. Ce n'est pas trop du tout. Ah, je pensais que c'était. Non, non, c'est super dur à SDI, mais quand t'as compris. C'est une espèce de mix de DI, des SDI in et up là, c'est trop chelou. Et bah, t'en meurs plus en fait de ce confirme. Ok. Et, bah, ça t'économise des stocks. Et c'est bien, c'est bon, ça va. Quoi? C'était un MB contre un MB, c'est trop. C'est incroyable. Alors oui, mais c'est safe sauf quand ça parie, quoi, en fait. Je vois vraiment pas quelle raison de faire ça dans le trade. Là, ça devient répétitif. Exactement. Ça devient répétitif. Il essaie de tuer, en fait. C'est ce qu'il fait, en fait. Ça stun, malheureusement. Ouais, c'est très bon, très bon. Enfin, très bon, je sais pas, en tout cas, il bagarre. Enfin, il a voulu read l'air dodge là, mais la plateforme fut sauveuse pour Archer là. Ça lui a permis de garder sa vie. 144%, c'était à l'autre bout du stage. Et voilà, la dash attaque en mec. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Si vous voulez savoir, aujourd'hui, il s'est dit j'arrête les fast food, j'arrête la clope, je vais à la salle. Ouais, il a mangé une salade. Il a mangé une salade. Et ça marche. C'est la salade. Oh, par contre, très belle phase. Oh, ça n'a pas attaqué. Oh, c'était incroyable. Ouais, c'était très très beau. La stock, elle a duré une game. Enfin, la phase d'avantage a duré la game. Ok. Par contre là tu sais que à la passe j'aurais plus peur si j'étais si j'étais en Amphinobi que si j'étais Terry là. T'es fort à ce que tu sais faire. À tout moment il. Oh. C'est belle attente. Ça tuait. Ouais mais non mais là non. Ça il l'a bien catch parce que. Ce n'est plus possible. Il l'a trop fait, il l'a tendu. C'était bien vu de la part de. De quoi d'Amphinobi? Jab Jab Power Dunk, 96%, là ça sent le vent. Ouais. Voilà, bah là, prochaine interaction, la vie s'en va, elle sait pas en aller parce que c'est un peu stage, je pense. Mais coucou! Mais lui, il est pas conclu là-dessus! Il ne s'arrête pas! Oh, oui, bien vu.
Ouais, bah par contre, c'était bizarre le Gazala. Bah il l'a poussé en mode dégâts de tapis, okay. Mais juste gentiment, c'est assez rigolo. En vrai, c'est 50%. Là, 50%, c'est voilà, c'est. Et voilà, ça va tuer. Donc on est à 55, ça peut aller. Non, mais très bien. Je vois bien encore gagner la game, c'est normal, c'est un peu quoi, mais. Allez, allez, 57%, hein, attention. Ouais, bah, do win de neutral, là. Non, mais de toute façon, prochaine session, j'y retourne, je t'avais. Non, mais c'est trop Il tape dedans. Okay. Ouais, il bourre, il passe. Mais ça a l'air pas. Mais en fait, je pense que ça panique. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Non, non, mais. Oh, c'est très beau. Rien, c'est comme ça. Non, c'était out of ship. Ouais. Oui, il a out of ship, mais. Je pense qu'il a react par rapport à son coup de poing. Non, il a touché. Les rolling là de la part de Indy, là, ça va plus être possible. Ça commence à s'y adapter. Je pense vraiment plus que ça va fonctionner. Et ouais, bah, il vient d'essayer de. Il a reculé en mode. Donc, toi. 104%, en vrai. Ouais, parce qu'il a récupéré, ça fait pas que ça va faire un peu de mal. Oh, ça a collecté. C'est un truc de fou. Ça a collecté. Ouais, c'est incroyable. J'avais vu. Alpharceur de Zinzin. Ah ouais, non, en tout cas, bon catch du side B. Je connais pas les noms de Terry, c'est Burn Knuckle, le side B. Non, vraiment, j'étais le Burn Knuckle. Burn Knuckle. Le point qui boule. Le point qui boule. Grosso modo. Ouais, il tape avec le point et le point il brûle, donc je comprends le nom en fait. Terry, c'est vraiment taper, gagner. Super mon point il brûle, je vais l'appeler point qui brûle. C'est parfait. C'est terrible. Ok, game 2, première game, arc. Ok, d'accord. Alors lui, il n'a vraiment pas. Oh, les jeux sur les plateformes là, comme ça, les gros baits. Ça a fait réagir tout de suite Indy, il a trigger et forcément. Ça a voulu taper, mais ça n'a pas fonctionné sur cette fois-ci. 41%, déjà 48% donc on est du côté de Rasmus Darka. On est déjà à la moitié de la vie. C'est un peu ça, oui. C'est... De mon côté, un petit peu, c'est. Ah ouais? Bon, après. Bah Arthur c'est mon ref, mais Indy il a tellement bien joué, tu vois, que c'est le gars de passer la porte, c'est bien pour lui quand même. Toi t'es casteur quoi. Je me mange. Par contre, c'est pas des choses, hein. Genre, il a donné un air. Mais mec, il est en train de. Mais... Attends, il était à 55%. Ça fait combien de temps qu'il est à 55% là? Ça fait 3 games là. C'est dur quand même. Oh, yoyoyoy, dans le neutral, comme ça. Non, en vrai, c'était pas le neutral. C'est qui en bleu? Wesh, Nitox, tranquille ou quoi? Let's go, Nitox! Oh, Nitox! Mais. Bah, dans tous les cas, il y a un truc qui est marqué au-dessus. Il va s'amuser. Oh putain, on part sur un goût là. on part sur un. Oh, oh il a pari ça. Il a pari le pari. Ça, c'est dans ses chiffres. C'était trop stylé, mais dans tous les cas, il est obligé. Mais comment il fait pour être aussi fort, gros? C'est dingue. Nous, on était bien, non? Si, on gagnait toutes les week-ends là, c'était tranquille. Putain, les mecs, ils vont casser la gueule. Il vient nous péter la gueule chez nous là. Une bonne attente, il mixait un peu quand même ses jabs et tout ça pour. Mais il Kraftwerk attend bien avec son shield et il dit c'est de bien trouver d'autres choses à faire. Ouh, bon, il l'utilise bien mieux qu'avant. C'est vraiment assez hallucinant. Des conversations. Conversions en airside B. En parlant de conversations, il t'engueule toujours, il dit actuellement là. Dans le bah, pas moi là. Mais... Non, mais là il engueule toujours. Il t'engueule. Actuellement. Pourquoi moi? Putain, ça n'a plus aucun sens. Oui. Nitox, il se fait engueuler par Bach parce qu'il parle à Yonisio. Wesh. Oh. Incroyable. Oh. Il n'a pas vu le coup, mais il a cassé deux coups. Tu peux prendre une chaise, hein. Prends une chaise. Ah, bah attends, je vais regarder. Non, voilà. Oh, c'était quoi cette option? Peut-être pour s'enfuir, je ne sais pas. Il joue aux jeux vidéo, là. Mais non, mais. Lui aussi, il joue aux jeux vidéo. Pas de conversation, mec. Mais non, mais il est engueulé. On discute pas ici. Lui, il a payé ses 6 euros, il compte les rentabiliser un minimum quand même, tu vois. Ah si, c'est 5. 5 non, c'est 6 balles, le Terry. Ah, Terry. Ah, Terry, oui, effectivement. Terry, 6 euros. Non, il a payé 5. C'est son billet. Ah, mais non, il a payé pour en slip aussi. Mais oui, il est passé au-dessus. Ça peut l'être très vite. Encore une fois, qu'il n'y a pas la tête, il essaie de prendre. Oh, très très belle phase d'avantage, on passe comme ça. Essaie de prendre. Oh ne quoi mais oh. Il a rico des enfers. C'est une c'est un truc de fou. Par contre là la situation elle est bourbière. Ouais. Et voilà. Non, ouais c'est bien, il a bien fast-forward.
Ok, oui, bah là, ça devient répétitif, hein. Les grandes airbags. Et le catch, il s'en va. C'est super triste. Il s'en va dans la blast zone. Arthur, qui est ce gros numéro. Il a été escorté, finalement. Bah oui, bah le match-up m'apparaît plus évident, déjà. Ça a l'air, en tout cas. Je t'avouerai que le match-up avait un truc avec Sora, je ne sais pas, donc... Je suppose. Je pense pas avoir les connaissances sur Sora nécessaires pour pouvoir dire qui s'y gagne un match-up ou non. Allez, on part sur du 2-0 là pour l'instant. Ouais, 2-0. Est-ce que il va encore repartir avec l'argent des Nancéens? Est-ce qu'il va continuer de nous voler tout notre pognon? Il est Nancéen, donc ça va. C'est vrai que maintenant, c'est un néo-Nancéen. Ouais, il a un néo-Nancéen, si je ne sais pas. Oui, bah et pourquoi aussi? Parce qu'il travaillait. Bah voilà. Il avait tout compris. C'est quoi ce vent? Là, il a vu l'argent, il dit hop. Ah, bah il veut. Là, il travaille aussi, le roi. Attaquez-moi, il fait 50€ en 3 heures. En tout cas, déjà 50€. Oh, déjà, déjà une stock. La grande sèche. Déjà une stock, peut-être. Je pense que c'est un forain réincarné un peu. Il a des énormes sèches comme ça constamment. Ses prises de décision, elles sont trop autoritaires. Genre, tu sais pas d'où elles sortent, mais on dirait qu'il était trop sûr de lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est exactement ça. Mais voilà. Une seconde. Mais on oublie pas que là, c'est. Mais il est en train de l'ouvrir en deux, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, après. Oh, le best ça, c'est un peu terrible, hein. C'est. Tu te fais ouvrir ou. Ah, tu vas faire tomber avec ça. Bing, 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 bing. Bingo! Hop, il y a une stock. Nice job, nice game, nice developers. Joli tir. Joli tir. Tout était prévu. Incroyable, non, c'est vrai. Le Totten, il a bien ramassé, vraiment. C'est donc ça, 6€ le personnage. C'était trop drôle, là, mec. Je m'attendais trop. J'ai une bête, regarde, il en a un deuxième. Bah, il a raison, il le fait tout de suite comme ça, il laisse pas le temps à Raker de faire le duo. Oui, c'est ça, c'est. Oh, y a, il a sauté en plus, je crois, là. Ah non! My bad. Oh, le crack shoot. Miam, 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 on adore ça. Mec! Oh. C'est très chaud. Là, ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Un grand up smash, là? Un grand up smash sur un catch de landing? Franchement, c'est. Mec, ça fait des boutons! Ça appuie sur les boutons! Il appuie sur les touches de la manette! Il montre comment fonctionne ta une, genre il fait tous les coups. Oh, il fait une démonstration. Il fait une démonstration. Il fait une petite démo là. En tout cas. Alors ça c'est le Power Geyser. Ça c'est le Burning Knuckles. Oui c'est ça. C'est exactement ça. Il montrait les coups et puis il a gagné. Deux stocks d'avance. Un sacré deux stocks là. Voilà. Bon après il y a encore deux games à gagner. Il y a encore deux games. Rien n'est fait. Et là on est sur. On va dire, enfin, comment expliquer? Là, Indy, il a utilisé plein de trucs du perso, il a montré plein de choses. C'est bien, mais maintenant, on a Raker en face, un joueur qui s'adapte très très bien. Ouais. Et c'est là que ça va être difficile parce qu'il a l'ascendant en termes d'adaptation. Où il se dit, ok, j'ai les options pour punir ce que je me suis pris la game d'avant. Donc c'est là qu'il dit, doit se renouveler déjà avant de se faire punir les choses qu'il a fait la game d'avant. Effectivement. Et c'est là que ça va être très très difficile. Il donne un peu d'espoir pour prendre la victoire plus belle. Alors, il s'agirait de doser quand même. Bon, il s'est fait un peu 3 airs comme ça, bien salement, quand même. En grande finale, ça. Ouais. Mais c'était sur le Sora, là, en finale, quand même, bien plus solide sur ses appuis dans le match-up, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression aussi. Mais c'est un peu parce que le Sora, il a eu du mal tout à l'heure, Indy. C'était vraiment un peu plus close en Indy. Bah, il y a une question d'adaptation aussi. Ouais, il s'est vraiment bien adapté, c'est vraiment cool de sa part. Je pense que là, c'est assez linéaire. C'est assez facile de comprendre ce que veut Sora. Terry, il te faut vraiment beaucoup d'expérience dans le match-up. Donc je pense que c'est peut-être un peu plus dur d'apprendre le jump. Mais ça ne démérite pas du tout. Là vraiment c'est assez incroyable ce qui se passe. Oh là là. La vie auto-shift qui tue littéralement. Il appuie mieux sur les boutons, bien oui. C'était très beau ça. 32% avec un Non, SDI, c'est un peu. Mais le SNH que t'as trouvé, ah, okay, en fait, le SDI est parce que le SDI multiplayer sur le Colorblind. Ah, ça, c'est bien vu de le faire, là, ça va mettre en l'extra. Là, là, maintenant, oui, ça t'a goûté, moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais gros ! Bah, la zone, un deuxième. Ils vont en mettre un deuxième. C'est vraiment une 4 à l'extérieur, là. Mais non, ça, c'était une mission. Mais ça, tu passes, vu que c'est à l'heure du stage. C'est une mission courte, mais ça, tu trouves que. Non, c'est ça. Mais c'est une c'était on va appeler ça le Adamine Killer. À partir de maintenant. Ah, par contre, il y a une. C'est toi comme moi. Ça, c'est en d'aller. Avec un F-Smash. Ok.
Un petit spot dodge tilt, hein, c'est une des mécaniques du perso. Ouais, le spot dodge. Oui, la spot dodge qui peut se cancel avec un up tilt et qui permet, que c'est quasiment qu'un axe, très dur à venir. Et si je me trompe pas, il y a de l'invincibilité sur le. Ou un truc comme ça, ou de l'intangibilité pendant le up tilt, c'est très très dur à venir. Il y a beaucoup de choses comme ça, t'as eu l'intangibilité sur ces coups quand il. Voûte. Bah justement, parlant d'intangibilité, sur le up il y a ça, au niveau des pieds. Donc. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, ça tue pour la deuxième fois. Ça, c'est fou. Ah, mec, le deuxième héros qui tue là. Ah, ouais, alors par ça, par contre, des grands power gazers dans notre âme, il va falloir oublier. C'est pas un petit, c'est un coup spécial, c'est terrible. Oui, le, c'est ça, c'est un, ça ressemble à un petit, mais c'est pas la même frame data, c'est pas les mêmes knockbacks. Ouais. Okay. C'est un petit like, comme c'est. C'est, techniquement, ça ressemble à un petit, mais ça n'est pas. Belle ta science de la part de. Oh, bien vu! Oh, ça tue pas! Ça tue pas. Comment ça se fait? Ça tue pas. C'était très joli. Là, on est sur la dernière stock potentielle de ce tournoi. Et une première phase d'avantage sur le Power Cure. Qui est très bien, c'est l'avantage actuellement. Ok. Mais ah, oui, ça fait des options très rapides. Oh, c'était très beau. Comme par hasard, tu veux mercredi, il n'y aura pas de temps. Ça fait 80%. 80% en vrai, allez. Deux phases d'avantage. Une petite phase d'avantage là. Oh, ça va tuer! Ça tue. On est sur un 2-2. On est sur un 2-2. Il a tué 3 fois avec 2 genre. Le gros Indy. Le gros Indy fait des dingueries. C'est le nom du livre de ce soir. Ouais, tiens, je vais prendre des 30 chaînes. Mais ça tue, il a tué 3 fois sur le Indy qui. One game on. Qui est intangible sur les gens, comme ça, vulnérable, un truc comme ça. Mais ils sortent super vite en plus. Allez, une dernière. Bah, elle était quand même plus close que la game d'avant, donc on voit bien que c'est adapté. Non, je suis pas grand. Allez, c'est parti. Là, on parle du joueur de la boucle, de la coloc. La fameuse. Contre Warcraft, le mec qui nous avait dominé la semaine dernière, qui avait gagné le. Je suis là. Et là, on est sur un set vraiment. Quelqu'un qui challenge vraiment bien plus. On était pas aussi loin, le chiffre qui était pas le plus. Ok, 49%, gros avantage. Oh, c'est pas qui a dit quoi? Genre, je t'avais que c'était un MC plus parce que j'ai plein de fois qu'on fait dit, je sais à quoi. 37%. Ok, là par contre le up smash. Ah non, non, je pensais que c'était trop. Oh, bien vu de la part de. 62%, 76, c'est complètement dévoyant. Mais il a trop peur. Rare qui aura très très peur. Ouais. Ça se sent. Il se bouge comme ça. Il commence même. Bon. Là en vrai, là c'est. Une phase, une stop là. Hein. Des deux côtés. Il lui a payé le Uber pour rentrer à la maison. Oh, ça fait quoi? Ah, j'ai trop peur. Je sais, j'ose plus caster. Ça fait trop peur. Là, ok. 109%. On a le go, mais il peut s'en aller à tout moment sur un ledging catch là. Ça va tuer? Non, ça tue pas à 3% près, je pense, un truc comme ça. C'était vraiment très très cool. Non, ouais, là ça tape beaucoup. Oh, putain, il a beaucoup de ça. Ok. Ça va tuer. Ouais, ça va tuer. Ça tue. Le lead est chopé par Indy. Le lead est. Une deuxième stock qui va partir très vite sur Hardcore aussi. Si Indy, moi je vous préviens, si jamais il gagne, je vais pop off avec lui, il n'y a plus de caster. Je vous dis maintenant. Ok, il n'est pas mort. 0%, c'est even. Oh, les drôles. Oh, bien vu, ça va tuer. Ouais. Le faire sur une Gaelin, c'est trop, ça tue. Totalement even. Ok. 17%. Ok, oh là là, le mec. Stylé, hein, franchement, une bonne conversion, 45%. Il a fait vraiment des très bonnes conversions. 60%, mais. C'est vraiment, c'est pour faire lâcher nos cœurs. Ok, 89%. Là, on est sur OLED, on est sur une seule interaction pour la stock, hein. Une ride OLED strap. Mais seule strap qui n'aura pas lieu du coup. Voilà, le faire. Et oui, et il a sauté. Et il est mort. C'est rattrapable. Mais c'est très très dur. Ouais, ça va tellement rattrapable. Très bien joué. C'est tellement rattrapable. C'est tellement rattrapable. C'est tellement rattrapable. Ah, ça tape. Out of shield. Ouais, là ça commence à être répétitif. Peu importe à quel moment il lâchait. Ah oui, ça fait peur. Ok, back air. Oh oui. Oh, c'est bien vu. Très bien vu. Oh, c'est bien vu. Bien.